Bonjour et bienvenue sur natprof.fr. Vous allez découvrir à travers de ces tutoriels comment créer un site web grâce à Joomla. La création du site internet est plus facile avec Joomla, sachant que Joomla est à la portée de tous. J'espère que ces tutoriels peuvent vous encourager plus et à vous aider dans vos démarches pour la création de votre site internet. Il faut savoir que Joomla est un CMS qui veut dire en anglais Content Management System, ce qui veut dire en français système de gestion de contenu. Joomla est l'un des CMS le plus populaire d'Internet. La force de Joomla, c'est que chacun peut le procurer en libre téléchargement. Et sa force aussi, c'est son potentiel technique. La version 1.7 de Joomla est considéré comme l'une des meilleures alternatives pour la création de sites, soit pour son entreprise ou pour son projet personnel. Pour en savoir plus, vous pouvez se rendre directement sur le site officiel Joomla, www.joomla.org. On va voir ça ensemble. Sur Google, vous tapez Joomla. Le site officiel, c'est celui-ci. Vous avez Joomla. Vous avez le support et les extensions et téléchargements. Après, vous avez un autre site de Joomla.fr qui est animé par l'association francophone des utilisateurs du Joomla. Ce site vous propose... Alors, on va voir ça ensemble. Il vous propose des extensions, des aides, un forum, etc. Donc, notre objectif, l'objectif de ce tutoriel est de vous former en vidéo qui vous permettra d'être plus penché dans le concret. À travers de mes tutoriels, vidéo, vous saurez à la fin comment créer un site Internet plus facilement, comment installer une extension, un plugin, un template et ainsi de suite. Bien sûr, comment gérer les articles, les menus. La partie la plus difficile, c'est votre imagination, car la création de site en elle-même n'est pas difficile, n'est pas compliquée avec Joomla. Vous allez voir après quelques tutos que c'est vrai, car Joomla met tout en place pour faciliter la création, la prise en main de l'interface web de votre gestionnaire de site web. Pour vous familiariser avec l'interface Joomla, on va commencer par télécharger la dernière version de Joomla. On voit ici sur le site francophone Joomla.fr, il nous propose soit la version 1.5.25, c'est la version sécurisée 1.5, ou bien la version Joomla 1.7. Nous, on va essayer de télécharger la version 1.7 la plus populaire. C'est la dernière version. On clique sur télécharger. Là, ici, on va s'assurer de récupérer la dernière version. Ici, on a Joomla 1.7.3. On clique sur cette ligne-là. Ensuite, on clique sur enregistrer. On choisit l'endroit où on souhaite l'enregistrer. Pour ma part, je vais le mettre sur le bureau. Juste, je vous conseille de le mettre dans un dossier spécifique ou bien sur une deuxième partition. C'est juste pour la formation vidéo. Donc, et pour faciliter les choses, on va l'enregistrer sur le bureau. Je clique sur enregistrer. Dans cette vidéo, on va s'arrêter là. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment installer Joomla. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.